Bonjour, je suis Camille Schnorr et je vous fais découvrir aujourd'hui la chauve-souris à l'Opéra de Lille en ce jour de pré-général. Là-haut. Là, on est sur une production qui est très physique. C'est assez intense, donc du coup, j'en profite pour ne pas relâcher au niveau de la condition physique parce que voilà, j'en ai vraiment besoin dans une pièce comme ça. Aujourd'hui, c'est la pré-générale, donc ça veut dire qu'on va avoir la répétition générale demain. Donc avec maquillage, costume, lumière, tout en situation comme si c'était la représentation. Ah, c'est nouveau. Vous voulez plus fort ? Plus, ouais. Ok. Il va être un petit peu plus fort. Il a tout changé, quoi. Mais il veut que ça soit tout beaucoup plus maquillé, beaucoup plus visible. Beaucoup d'accord. Plus... Et c'est vrai qu'en fait, le décor rouge, ça oui. Absorbe toutes les couleurs. Ah ouais. Si on respire pas bien, bah, c'est impossible de chanter. Donc il faut beaucoup entraîner la respiration. Donc ça permet de contrôler qu'on a un flux d'air continu. Et en plus de ça, il y a un effet de reflux d'air sur les cordes vocales et ça fait donc comme un petit massage sur les cordes vocales. C'est un exercice tout bête qui apporte beaucoup. La chauve-souris de Strauss est l'histoire d'une vengeance du parquet contre son ami Gabriel qui lui a fait une farce. Et donc moi je suis l'épouse de Gabriel. Et comme tous les amis et tout l'entourage de Gabriel, on va tous en fait participer à lui jouer ce mauvais coup qui est cette vengeance. Ici, dans cette version, on est dans une esthétique très bande dessinée, très graphique. Cette taille gracieuse, ces manières délicieuses, une jambe qui me tente, le convivre de baiser. Si j'arrive à balouter, tes prétextes au chant pour moi dans ce rôle et c'est là qu'on y trouve son plaisir comme chanteuse. C'est assez rigolo à faire. Là-haut.